Toutes et à tous, la Belgique doit-elle rester unie Voilà une question d'actualité. En quoi notre système politique et économique doit-il évoluer et comment permettre à la Wallonie de redresser sa situation Voici quelques-unes des questions que nous aborderons avec un jeune retraité des facultés, un économiste qui depuis plusieurs décennies s'est intéressé entre autres aux politiques économiques mais aussi, et c'est peut-être lié, aux problèmes d'enseignement en communauté française. Robert Deschamps, c'est de lui qu'il s'agit et notre invité du jour. Un invité qui, très jeune, s'intéressait au début du nucléaire, un véritable choix de société, ou en tout cas une interrogation de l'époque. Quand j'étais adolescent, c'était le développement du, du nucléaire civil, après les bombes atomiques et, et autres, et j'aimais bien comprendre les sciences, et en particulier cette nouvelle discipline qui euh, offrait, semble-t-il, beaucoup de possibilités. Pour l'avenir, ça m'intéressait de comprendre. Voilà comment j'ai commencé. Alors, vous sortez de latin grec, et plutôt que vous dirigez vers la physique, vous vous orientez vers les maths et les sciences économiques. D'où vient ce passage J'ai commencé l'UNIF en faisant physique et maths, et puis euh, je m'intéressais aux questions économiques parce que je lisais l'actualité économique depuis pas mal de temps. Lorsque je suis entré à l'université, c'était l'époque des grandes grèves 60-61 euh, en Wallonie, donc ce qui m'a sensibilisé plus à, à ces questions-là. Euh, et. À cette époque-là, c'était également le développement des méthodes mathématiques en sciences économiques, la recherche opérationnelle également, et j'ai trouvé que, euh, que les mathématiques que j'aimais bien étaient un outil intéressant pour analyser. Et comprendre des questions économiques. La région d'où vous venez elle est aussi importante dans votre parcours, hein, Clabec. Oui, oui, je suis originaire de Clabec. C'est un village où il y avait une grosse entreprise sidérurgique à l'époque. Il y avait plus d'ouvriers à l'usine que, que d'habitants dans le village. Mon père était agriculteur, on était un petit peu en dehors de l'usine forcément, mais euh, tous, mes, tous mes amis euh, travaillaient ou avaient leurs parents qui travaillaient à l'usine. Donc j'étais fort proche de euh, ce milieu industriel wallon. Assez rapidement, d'ailleurs, vous vous orientez vers des questions de politique économique, vous vous intéressez à, à l'économie locale, j'ai envie de dire l'économie de la Wallonie. Mais, mais voilà, je, voyant les questions économiques, les problèmes économiques qui se posaient en Wallonie, je trouvais que ce qu'on apprenait en sciences économiques pouvait aider à mieux comprendre et éventuellement aller vers des, vers des solutions pour traiter les problèmes régionaux. On va continuer à dresser un tout petit euh, état d'esprit euh, ou état des, des lieux de, de votre parcours plutôt. Euh, avec le Conseil central de l'économie, vous participez aussi aux réunions du Conseil central de l'économie. En deux mots, pour rappeler aux, aux téléspectateurs ce que c'est que le Conseil central Mais, de l'économie Le Conseil central de l'économie, c'est un organe euh, fédéral qui existe depuis après la guerre 40-45 qui regroupe patronat et syndicats. C'est vraiment un lieu important, un lieu central. En Belgique, de concertation patronat-syndicat où on prépare les négociations salariales, les éléments de politique d'emploi, de financement de la sécurité sociale. Il y a là des représentants des organisations patronales syndicales et quelques économistes. Par exemple, moi, j'y ai surtout participé à tout ce qui concerne les éléments de compétitivité. Vous participez aussi au Conseil supérieur des finances. À un moment, est-ce qu'il n'était pas plus logique, dans votre cas, alors que vous étudiez réellement, vraiment les, les problématiques de terrain, les problématiques régionales, euh, de, de vous de, de, de rentrer en politique j'ai envie de dire et de vous inscrire dans un mouvement politique mais je me suis posé cette question mais finalement dans la vie il faut faire des choses que, où on se sent bien des choses qu'on aime bien et où on a l'impression que ça peut être c'est là qu'on peut être le plus utile et moi c'est dans le métier que je fais comme professeur enseigner j'adore faire de la recherche j'adore aussi et ce que j'aime bien c'est le troisième volet faire passer cela au niveau de de, des décideurs politiques, ce qu'on appelle les services à la communauté. Ça m'intéresse comme cela et je pense qu'on euh, m'écoute plus d'une certaine façon si je fais les choses comme je les aime ainsi que si j'avais voulu entrer en politique. Ça vous permet d'être, moi qui vous connais un peu, un peu plus libre aussi, de dire et de, de l'ouvrir quand vous avez envie de l'ouvrir Ah oui, ça, ça permet d'être libre aussi. On veut, vous savez, comme professeur d'université, on a la liberté académique, euh, et ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais ça veut dire que quand on peut s'exprimer de façon très, euh, très libre, sur base de choses qu'on a réfléchies, justement, évidemment, devant n'importe qui, on ne peut pas euh, être sujet à la pression. On va en venir maintenant à notre premier grand chapitre de cette interview, c'est euh, le fédéralisme, les questions euh, concernant le fédéralisme et les politiques économiques hein, dans notre pays. C'est vrai que depuis de nombreux mois, on entend de plus en plus parler de scission éventuelle de, de la Belgique, les gens se posent des questions, euh, certains qui étaient totalement en contre disent aujourd'hui, c'est possible, pourquoi pas scinder le pays euh, Vous, scinder le pays, c'est une aberration totale Mais on va y perdre. Euh, pourquoi Si je, je raisonne comme économiste, du point de vue croissance économique, emploi, solidarité entre les personnes, nous sommes dans un pays où il y a énormément d'interdépendance économique et sociale. Des entreprises sont des sites de production dans plusieurs régions, beaucoup de travailleurs font la navette, etc. Euh, c'est ça la valeur ajoutée de la Belgique, c'est le fait de profiter de valoriser ces interdépendances entre les différentes régions, qui font que quand on a un comportement coopératif entre les régions plutôt que non coopératif, on a un meilleur résultat. C'est ça la valeur ajoutée de la Belgique. Donc autant construire là-dessus. L'alternative, c'est de scinder en deux, en deux ou en trois régions. Le plus vraisemblable, c'est en trois, mais on va y perdre parce que l'on déconstruira tout ce que nous avons. C'est un petit peu l'inverse de la construction européenne, où on a mis des compétences ensemble, parce que ça valorise les interdépendances. Mais vous parlez d'Europe, c'est assez intéressant, parce qu'il y a d'autres pays en Europe, entre autres la Tchécoslovaquie, c'est un il y a quelques années, et ça fonctionne bien. Alors pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner aussi bien en Belgique Mais l'exemple le, de la Tchécoslovaquie est juste est un contre-exemple pour la Belgique. On parle toujours révolution de velours, allons-y, faisons la même chose. Bon, la Tchécoslovaquie n'a été un État fédéral que pendant une vingtaine d'années, entre 1920 et 1940, après c'était sous la tutelle soviétique, les deux parties du pays avaient peu d'échanges entre elles, c'était surtout avec Moscou que les échanges économiques euh, se faisaient. La capitale Prague est dans la partie tchèque et est peuplée de tchèques, c'est comme si Bruxelles mmh. était uniquement habitée par des flamands. Le, la sécurité sociale était déjà cédée, même la justice, à part la Cour suprême, la dette publique était dérisoire, 10% du PIB, chez nous on est encore à, à peu près... 90 Et puis, euh, ces deux parties ont, eu le, ont, ont vécu l'ouverture de la suppression du rideau de fer au moment où elles se sont scindées, donc afflux de touristes et d'investisseurs étrangers, puis l'entrée dans la communauté européenne. Donc, il y a toute une série d'éléments euh, positifs pour eux que nous n'aurions évidemment pas. Et en, en même temps, euh, on constate que euh, 15 ans après le, euh, la scission du pays, le rapport de richesse par habitant entre les Tchèques et les Slovaques est resté le même. Le revenu par habitant en Slovaquie c'est toujours environ 30, 20, 25 à 30 en dessous des tchèques. Bon, tout, tout ce qui se par là est vraiment le, très très différent de ce que l'on a chez nous. Donc on n'aurait certainement pas les mêmes avantages. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rester un statu quo alors selon Non, vous surtout pas. Il ne faut pas rester un statu quo. Et le point de départ de, de propositions qui sont faites du côté flamand, qui ont été euh, beaucoup réfléchies, c'est que nous avons un fédéralisme qui ne fonctionne pas bien. Bon, je dirais qu'on a un fédéralisme adolescent, on a transféré des compétences vers les régions qui, bien souvent, s'ignorent ou se bloquent. Euh, il y a plusieurs exemples de cela. Bon, le, prenons l'exemple des vignettes autoroutières. Mmh. Si une région veut mettre ça en place, il faut que les autres soient d'accord. Donc chacune peut bloquer. Euh, prenons un autre exemple. À Bruxelles, il y a beaucoup de jeunes non qualifiés chômeurs. Dans la périphérie, périphérie flamande de Bruxelles, à halle Vilvorde il y a beaucoup de postes de travail pour des non qualifiés où on ne trouve personne. Donc si on s'ignore, les deux choses ne vont pas euh, se connecter, alors qu'il y a moyen de travailler ensemble et d'améliorer à la fois la situation des, des chômeurs bruxellois et la situation de l'emploi à côté. Mais ça, ce, ce ne serait pas possible si le pays était scindé Ce serait beaucoup plus difficile, parce qu'on ne s'informerait pas. Déjà actuellement, il y a trop peu d'informations de, de, qui, qui transitent. Je prends un exemple. Jusqu'il y a deux ans, le, le, le forum en Wallonie donnait une aide financière à des chômeurs wallons qui acceptent du boulot loin de chez eux, mais pour autant que ce soit en Wallonie. Ainsi, un chômeur de hâte euh, touchait un subside s'il acceptait un boulot à Mons, mais pas s'il accepte un boulot à court L'information sur les emplois vacants de l'autre côté euh, n'était pas faite. Donc, c'est justement toutes ces, ces choses-là qui font que l'on peut mieux fonctionner. Et cet exemple, quand on l'entend, on se dit, en tant que téléspectateur, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, cette Belgique. Oui, mais Donc, finalement. Que faire C'est ça un fédéralisme adolescent. Que faire Je prends l'exemple de la politique d'emploi pour, pour qu'on reste dans la même chose. Pour le moment, le fédéral verse aux trois régions un montant total, ce qu'on appelle dotation du ministère de l'Emploi et du Travail, peu importe, à peu près 500 millions. Et les régions en font ce qu'elles veulent. Euh, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre cette somme-là, plus la partie politique active de l'emploi de l'ONEM, plus éventuellement les, les, les budgets euh, pour interruption de carrière, que le tout soit transféré aux régions, mais on décide ensemble. À quoi ça va servir Politique d'emploi, c'est-à-dire formation, c'est-à-dire accompagnement des chômeurs, etc. Et les, les modalités d'application sont différentes suivant les régions, forcément. Et puis, on doit rendre des comptes à l'équipe centrale pour voir si on a effectivement utilisé cela dans le but réalisé. Les Allemands font ce genre de choses et ça marche bien. Pourquoi pas nous Mais quand je vous entends, les Flamands vont dire tout de suite, on n'est pas d'accord, puisque eux veulent absolument régionaliser. En partie, cette politique d'emploi en se disant on n'a pas les mêmes problèmes en Flandre qu'en Wallonie, ce serait plus simple et plus efficace si on régionalisait. Mais euh, les Flamands, ça dépend quel Flamand. Donc, moi j'ai travaillé avec des économistes flamands sur un projet commun où nous avons une position commune et qu'on a assez approfondie, n'est pas simplement un slogan, en ce qui concerne la négociation salariale, la politique d'emploi, les principes de la CEQ. Et ce que nous avons élaboré, euh, bon, on, on l'explique et ça suscite pas mal d'intérêt dans beaucoup de milieux euh, politiques, des entreprises et des syndicats. Donc je pense que c'est un, un message qui permet de donner plus d'autonomie aux régions, mais en même temps une coordination dont elles sont responsables. Vraiment comme dans tout fédéralisme adulte. Et quelles seraient les autres pistes, selon vous, au niveau économique Pour que ça fonctionne mieux, pour que cet État fédéral et ces régions fonctionnent mieux. Mais il y a d'abord d'appliquer cette méthode à différents, euh, à différents niveaux. On peut le faire en politique d'emploi, je viens de le citer. Un autre enjeu, la région Wallonne a lancé son plan Marshall. Bruxelles et la Flandre vont lancer quelque chose du même genre. C'est chaque fois, finalement, les mêmes bases. Encourager l'investissement des entreprises dans des secteurs qu'on escompte être d'avenir, plus de recherche et de recherche-développement, et améliorer le capital humain. Bon, ce sera les mêmes dans les trois régions, pourquoi ne pas collaborer Et pourquoi exemple. ne pas revenir à un État unitaire, se diraient certains, alors à ce moment-là Puisqu'on fait les mêmes. Les mêmes plans, le même genre de plans dans les trois régions mais Moi, je pense que le, le fédéralisme, c'est vraiment quelque chose de très riche parce que ça permet de traiter au niveau où les gens se retrouvent entre eux, ceux qui sont capables de mieux gérer. Un peu comme euh, les, les politiques communales sont mieux gérées au niveau de la commune, mais il faut une coordination en même temps. Alors, vous qui connaissez bien la Wallonie, vous avez parlé de plan Marshall. C'est vrai qu'on sent depuis quelques mois un certain frémissement, ou en tout cas, les hommes politiques nous disent la Wallonie est en train de se redresser les, les indicateurs économiques sont bons. C'est vrai ou c'est de la poudre aux yeux? Mais euh, c'est difficile à dire, parce que le plan Marshall est tout nouveau, donc on ne peut pas encore tirer les, les, les enseignements. Euh, les évolutions conjoncturelles font que certaines années ça va un peu mieux, d'autres moins bien, etc. Mais ce, que, ce qui semble quand même, c'est que depuis quelques années, le retard de la Wallonie par rapport à la Flandre tend à se réduire. Mais c'est très faible et ça ne fait que commencer parce qu'on a commencé à mettre en place des politiques adéquates, ce qui n'était pas le cas précédemment. Bon, L'encouragement aux investissements des entreprises, ça devient plus ciblé au lieu d'être euh, réparti un oui. peu partout. Les deux facteurs clés de croissance économique dans les pays industrialisés, euh, recherche et recherche-développement, ça commence à démarrer. Euh, la formation professionnelle aussi. Mais on est en encore loin du compte. Donc on commence à bouger, mais trop peu. Trop peu. Et vous me disiez aussi que la Wallonie est moins croissante, et pour oui. vous, c'est logique. Ça, c'est aussi assez étonnant. Ben, C'est-à-dire que c'est compréhensible. Quand je dis c'est logique, je ne, je ne dis pas que c'est heureux, que c'est une bonne chose. Ça peut s'expliquer, et il ne faut pas expliquer ça en parlant du passé, en disant c'est à cause des charbonnages, etc., ou à cause des Flamands, ou à cause de la mondialisation. Euh, il y a quelques facteurs clés pour la croissance économique et l'emploi dans un pays industrialisé l'investissement des entreprises, recherche et le capital humain, c'est-à-dire la formation, y compris dans l'enseignement supérieur. Et sur les points, en tout cas de recherche et recherche-développement, et sur le plan du capital humain, nous sommes en retard. Nous dépensons trop peu en recherche, et nous sommes trop peu efficaces dans la formation professionnelle et dans l'enseignement. Donc c'est assez logique que nous soyons en retard, puisque nous ne faisons pas ce qu'il faut pour nous redresser. C'est très bien que vous parliez d'enseignement maintenant, parce que justement, c'est le deuxième chapitre de cette interview. Toutes les études récentes montrent que l'enseignement en communauté française est en retard par oui. rapport à d'autres régions, exceptionnellement et, et, et prioritairement par rapport à, par rapport à la Flandre, d'ailleurs, justement. Euh, et pourtant, vous dites, cet enseignement est suffisamment financé. Enfin, je ne sais pas si le mot suffisamment. Cet enseignement est relativement bien financé, disons. Euh, comment euh, Si je compare à la Flandre, euh, les dépenses d'enseignement, dépenses publiques d'enseignement par élève sont du même niveau, pratiquement. Mmh. Donc, alors que la Flandre est beaucoup plus riche que nous. Deuxième comparaison au niveau international, euh, on prend les dépenses publiques d'enseignement par rapport au produit intérieur brut, c'est-à-dire à la richesse générée en un an. Communauté française, on est le deuxième du monde derrière le Danemark. Donc on ne peut pas reprocher aux citoyens de la communauté française. De trop peu payer d'impôts pour l'enseignement, ni aux hommes politiques d'être trop radins dans leur budget à l'égard de l'enseignement. Et pourtant, c'est ce qu'on entend régulièrement l'enseignement est sous-financé. Oui, mais c'est faux. Mais vous voyez, en politique, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Quand on regarde les chiffres, c'est faux. Ce qu'il y a, c'est que l'argent la, est mal utilisé. C'est-à-dire. ça le problème. Mais d'abord, nous avons trop de, euh, en, en termes de performance, comparaison internationale, on constate que, euh, bon, mal utilisé, c'est parce que les résultats ne sont pas à la hauteur. Euh, maîtrise de la langue maternelle, des maths et des sciences à 16 ans. Nous sommes mal classés dans les pays industrialisés et notre classement se détériore alors que celui de la Flandre s'améliore à chaque fois. Nous avons relativement peu de personnes qui ont un diplôme d'enseignement secondaire complet alors qu'on est un des rares pays avec l'Allemagne et les Pays-Bas à avoir l'enseignement obligatoire jusqu'à 18 ans. Nous avons une très grande inégalité dans les performances des, des jeunes. Donc les résultats ne sont pas bons. Ça veut dire que s'il y a un gros financement... Euh, et nous avons aussi un taux d'encadrement élevé. Dans le secondaire, le nombre d'enseignants payés par la communauté française par élève est le, le meilleur du monde, à l'exception peut-être du Portugal. Mais alors, quand je vous donc c'est qu'il y a un problème d'organisation. Quand je vous entends, c'est assez incroyable de se dire, d'entendre ces oui. chiffres et de se dire qu'on est mauvais. Mais on est peu performant, mais donc il y a moyen de faire mieux. Voilà, on peut être positif quand ça. Mais ça veut dire que c'est une question d'organisation de notre système d'enseignement. Trop de réseaux, euh, le cloisonnement. Nous avons un, un enseignement très cloisonné. D'abord, il y a quatre réseaux. Le, la communauté française, les communes, les provinces et le libre subventionné. Euh, il y a une quinzaine d'années, euh, Busquin et c'est le plan s'appelait comme cela, proposaient de regrouper les trois réseaux officiels. Ils n'ont pas réussi à y arriver. Pourquoi Cloisonnement par discipline. Pourquoi Ça, je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Parce que, parce que ça fait des années qu'on entend parler de ces, de ces problèmes au, oui. au niveau de l'enseignement, avec toujours les mêmes problèmes qui ressortent, et ça ne change pas. Mais je crois qu'un problème de l'enseignement, c'est qu'il est autogéré. Bon, la communauté française, dans la communauté française, les trois quarts du budget, c'est l'enseignement, donc c'est dominant. Toutes les décisions concernant la communauté française sont prises en autogestion, si je puis dire, par les ministres de l'enseignement et le ministre du budget d'une part, et les principaux acteurs de l'enseignement de l'autre, sans qu'on tienne compte du reste des, des besoins de la collectivité. Les, le, le, les ministres de l'Emploi de Bruxelles et de la région Wallonne n'ont pas leur mot à dire dans cette discussion-là. Donc, ça se décide entre eux, si bien que c'est difficile de changer le système. Et il y a pourtant des directions dans lesquelles on pourrait faire mieux fonctionner notre... Lesquelles, par exemple Lesquelles bon, on a parlé du cloisonnement, je crois qu'il faudrait décloisonner, parce que le cloisonnement fait que qu'on euh, a à la fois beaucoup d'enseignants en disponibilité qui n'enseignent pas et qui sont payés, et à, à certains endroits, des pénuries d'enseignants, mais... Les statuts ne permettent pas à ce stade-ci de le faire. Mais le point central pour moi, c'est de donner plus de liberté et de responsabilité aux écoles, c'est-à-dire aux équipes directeurs enseignants dans les écoles. Ces personnes ont trop peu à dire et on utilise trop peu leur capacité de dynamisme. Ce sont pour la plupart des gens qui ont fait des études d'enseignement supérieur. Dans des entreprises, ce seraient des cadres. Dans notre système d'enseignement, ils sont enfermés dans des petites cases où ils ont peu à décider parce qu'on a un système qui fonctionne beaucoup par directive. Donnons-leur plus d'autonomie et de responsabilité devant rendre des comptes euh, quant à la façon dont ils ont utilisé les moyens. Mais en quoi est-ce que ça va gérer les problèmes d'enseignement, de donner plus d'autonomie aux cadres et, et aux enseignants Eh bien, euh, je, prends ce se, je regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Deux exemples, qui ne sont pas dans des, dans des endroits particulièrement chics. La ville de Chicago a décidé une dizaine d'années de donner plus d'autonomie de fonctionnement euh, aux écoles. Les enseignants ont pu faire preuve de plus de créativité, de dynamisme, d'adapter les méthodes d'enseignement à leur milieu. Et on constate au bout de quelques années que les performances des élèves des écoles de Chicago se sont améliorées par rapport à la moyenne américaine. Idem dans l'état d'Alberta au Canada. Autre exemple, l'OCDE a demandé à McKinsey une étude sur euh, euh, pourquoi, disons pourquoi, les pa certains pays sont nettement plus performants que d'autres en matière d'enseignement. Euh, les, bon, on parle toujours de la Finlande, ouais. qui fait partie de, de ce groupe. Ce n'est pas des pays où on dépense plus pour l'enseignement, ce n'est pas des pays où les salaires des enseignants sont les plus élevés, ce n'est pas des pays où il y a le plus grand encadrement, mais ce sont des pays où, un, on recrute les enseignants les meilleurs, il y a un recrutement euh, élitiste, si je puis dire, mais les meilleurs sont enseignants. Une fois qu'ils sont, qu sont dans les écoles, on les aide, on les accompagne et on leur donne des possibilités de. De, de gérer la pédagogie dans leur école. Troisièmement, on ne laisse pas en décrochage les élèves. Dès qu'un élève commence à décrocher, on l'accompagne. Les enseignants en Finlande, après les heures de cours, ben, ils accompagnent les élèves en difficulté. Ça fait partie de leurs 1600 heures de, de travail. Et quand je vous entends, vous dites on, on prend les meilleurs profs. Or, il y a une pénurie dans certains secteurs. Ben, C'est tout à fait paradoxal. Nous avons le taux d'encadrement le plus élevé du monde, à part peut-être le Portugal. Et il y a des pénuries d'enseignants. C'est dû à tous ces cloisonnements et aussi à. Nous avons le système de disponibilité de fin de carrière à 55 ans. En communauté française, les enseignants peuvent arrêter à 55 ans, ce qui est quand même fort jeune, je trouve. Et toutes ces personnes ne sont plus disponibles pour en fait participer à l'enseignement. Alors ceux qui nous écoutent vont dire moi, en tant que prof à 55 ans, je suis fatigué d'enseigner, je ne peux plus donner cours. Mais c'est unique en communauté, la communauté française. La communauté flamande a remonté cet âge à 58 ans, et dans les autres pays, c'est 60 ou 65. Mais si on laissait plus d'autonomie aux écoles, je comprends que certains profs à 55 ans, ce n'est pas tous, certains sont fatigués d'enseigner à des groupes de 20, 25, 30, parce que comme on a beaucoup de cours à option avec peu d'élèves, évidemment, les cours de base ont des plus grosses classes, ce qui est tout à fait aberrant. Ils sont fatigués de faire cela. Mais euh, ces enseignants de plus de 55 ans sont les plus expérimentés, c'est ceux qui pourraient le mieux... Accompagner des groupes, des petits groupes d'élèves en difficulté pour les empêcher de décrocher. Donc, on pourrait, dans des écoles comme ça, comme ça se fait ailleurs, euh, utiliser mieux les ressources des personnes plus, euh, plus expérimentées, donc les enseignants plus âgés, pour faire une série de choses où leur expérience est, est, euh, est, est unique et, euh, et, qui, et qui leur permettrait de faire ça sans être trop épuisé. On parle aussi très souvent d'évaluation des écoles euh, évaluer chaque oui. établissement. Euh, un peu comme il y a ces études PISA, mais pour chaque établissement. Euh, et là aussi, ça, ça suscite le débat. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont totalement contre. Mais Il y a beaucoup de... Je dirais qu'il y a une culture anti-évaluation chez nous. Mais de ce fait-là, euh, ça se fait de façon sauvage. D'abord, il y a des parents, c'est plutôt dans les milieux socio-économiques favorisés que l'on sait quelles sont les bonnes écoles, qu'on s'informe que. Ou alors, l'information, c'est quoi C'est la longueur des fils les jours où on s'inscrit au secondaire, plus il y a de... Euh, une longue file, mais mieux, meilleure est l'école. Et si les caméras de, de RTL et de la RTBF sont là, c'est encore mieux. Mmh. C'est quand même lamentable. Voilà le type d'évaluation que l'on a. Donc je trouve qu'on devrait faire des évaluations plus objectives sur ce plan. Euh, on, on, je me demande si parfois on ne sabote pas l'évaluation. Il y a quelques semaines, on a parlé d'une évaluation sur les mathématiques en fin de primaire. On a posé des questions de maths aux élèves, très bien. Et en même temps, est-ce qu'il y a une femme d'ouvrage qui vient travailler chez toi Est-ce que tes parents ont plus que 10 livres, etc. Qu'est-ce qu'on va en C'est peut-être intéressant pour les, les recherches qui analysent cela, mais on va en sortir pour la 53 millième fois qu'il y a une corrélation entre la compétence des élèves, leur niveau de réussite et leur, euh, leur milieu social. Le message qu'on donne aux gamins, c'est de dire écoute, euh, toi, tu n'es pas bon en maths, mais c'est parce qu'il n'y a pas de femme d'ouvrage à la maison, c'est parce qu'il n'y a pas de livres. Donc ça ne sert à rien que tu essayes de faire mieux. C'est lamentable. On, peut, on devrait utiliser une évaluation pour euh, euh, améliorer les performances dans l'enseignement plutôt que de cette façon-là. Il y a beaucoup à faire. On va en revenir à ce lien qui unit l'enseignement et, et les problèmes de, de chômage, les problèmes économiques en, en Wallonie. Si on doit mettre des moyens dans un enseignement ou dans de la recherche en Wallonie, c'est dans quel secteur Dans quel niveau d'enseignement ouais. Mais je, dans l'enseignement obligatoire, nous avons beaucoup de moyens, donc je vous le disais, et la question, c'est les résultats. Donc là, il faut euh, organiser autrement le, euh, notre système de formation. Maintenant, si on, compare le, euh, on nous compare, communauté française, avec les autres pays industrialisés, euh, ce où nous réduisons nos moyens, c'est dans l'enseignement supérieur. Donc j'ai fait une étude récemment sur l'évolution du financement euh, en communauté française depuis la fédéralisation, 1991-2007. Le, les moyens attribués à l'université par étudiant, donc en termes réels, donc après avoir tenu compte de l'inflation ont diminué de 18%. Dans l'enseignement obligatoire, ils ont augmenté de 9%. Donc il y a manifestement une évolution systématique. nous, faisons très peu de, euh, nous dépensons très peu dans la recherche fondamentale, en communauté française, dans la part dans notre budget par rapport à la Flandre, c'est 60 Mais où trouver l'argent euh, Je ne dis pas qu'il faut aller chercher l'argent euh, dans l'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire et primaire, je crois qu'il y a beaucoup mieux à faire avec les moyens actuels. Mais il faut regarder dans l'ensemble des dépenses de, de, des régions et communautés où on pourrait réduire. Et il me semble qu'il y a certains domaines. Par exemple, euh, nous finançons beaucoup les provinces chez nous la, les régions la région Wallonne finance largement les provinces. Les provinces taxent largement et dépensent beaucoup plus qu'en Flandre. Je pense que ce sont des institutions qui n'ont plus tellement leur raison d'être actuellement, maintenant qu'on a créé les régions, qu'on a, qu a créé les fusions de communes. Donc il me semble que progressivement, on devrait faire des arbitrages dans les budgets régionaux pour euh, orienter les dépenses publiques vers ce qui est vraiment facteur de croissance et d'emploi. Quelles sont les réponses de politique quand vous dites ça? L'homme libre, libre que vous êtes, que vous, vous les... leur demander. Moi, je leur explique, mais je n'ai je pas à, à vous dire ce que. Enfin, je ne, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, finalement, donc je l'explique. Et le fait que des hommes politiques me demandent régulièrement d'aller euh, expliquer mes analyses, c'est que ça les intéresse peut-être, mais euh, je ne peux pas répondre à leur place sur ce qu'ils en font. Est-ce que vous êtes optimiste, fondamentalement, pour l'avenir euh, Moi, je ne suis pas optimiste, mais je suis positif. Mmh. Euh, et je dirais, bon, pour commencer, la Wallonie vit au-dessus de ses moyens. Mais elle vit en dessous de ses capacités. Je suis positif parce qu'on euh, voit en quoi nos moyens budgétaires sont mal utilisés. Si l'on veut plus de croissance économique et d'emploi, c'est toujours une question d'objectif. Il y a moyen de faire mieux, mais c'est très difficile. C'est pour ça que je n'irai pas jusqu'à optimisme, mais c'est difficile. mais Il faut donc, justement, euh, et le plus tôt possible, euh, changer parce que le, le temps passe. Mais voilà, ça nous servira de conclusion. Merci beaucoup, Robert Merci Deschamps, de nous avoir éclairé sur toutes ces problématiques économiques. Puis à très bientôt, peut-être.